Salut à toi, ami Wanderer. Bon, et ben, il est 2h du matin, je suis pas encore couché et je suis loin de l'être parce qu'on va aller dans une région d'Hokkaido où il y a une migration importante d'oiseaux tous les mois d'avril et tous les mois d'octobre. On va essayer d'avoir ça, comme c'est le pays du soleil levant et qu'on va voir ça au lever du soleil, il y a moyen que ça ait de la gueule. Let's go. Effrayer les oiseaux, on a coupé les phares de la voiture et on doit pas parler trop fort. Du coup, ça va être une vidéo sans beaucoup de son. Comme je l'ai dit, il faut vraiment pas faire de bruit, mais je pense qu'on entend déjà le bruit des oiseaux derrière moi. On m'avait dit qu'il y en avait beaucoup, mais je pense qu'il y en a un sacré paquet. Du coup, ça y est, le soleil est en train de se lever, ça va pas tarder. Vraiment, ils mettent un petit peu de temps à décoller, mais maintenant que je les vois mieux, effectivement, il y en a beaucoup. Ça ressemble à des canards. Du canard japonais. Malheureusement, comparé à d'habitude, ils sont pas tous partis en un seul groupe, ils sont partis par salve. Mais c'était quand même super sympa à voir. C'était une expérience assez cool. Le cadre est juste magnifique. C'est juste un truc de ouf. Le lever du soleil sera magnifique aussi. Je pense que j'ai fait des timelapses qui vont avoir de la gueule. C'était une très très bonne expérience. Merci à mes amis japonais qui m'ont parlé de cet endroit parce que j'étais pas du tout au courant, je connaissais pas du tout. On a fait 2 heures de route, on s'est pas couché. Là on refait 2 heures de route pour repartir chez nous. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Voilà, c'était le genre d'expérience que je voulais vraiment partager avec vous, des choses uniques comme ça, c'est pour ça que je voyage, c'est vraiment un truc de fou. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, le pouce bleu, d'ailleurs mon gant est bleu. Le pouce bleu, les réseaux sociaux, tout le blabla. Matane.